Alors bonjour tout le monde, Hag Sameach. Ah, mais Mitzrayim Gealtahanu, Mibet Avadim Peditahanu, Mimitzrayim Gealtahanu, Mibet Avadim Peditahanu, Mimitzrayim. Vous avez vu dans quel état est ma voix? Alors combien il a fallu chanter, combien il a fallu parler pour arriver à cet état-là, Bezot Hashem. J'espère que vous allez bien. Les matzot ont bien fait leur effet. Les matzot, c'est Nahma, Nahma de Asvata. Ah, l'aliment de la guérison. Ça guérit les matzot. Je ne sais pas si ça guérit le corps, mais en tout cas, ça guérit la neshama. Ça donne de la emouna. Nahma de Memnouta, l'aliment de la emouna. Bon, Hachem. Alors voilà, on profite d'un jour férié. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est un jour férié? On étudie la Torah Kedoshah. Alors on va passer un petit moment ensemble, Bezrat Hachem. Aïe, Chag Sameach. Comme on dit, Moagdim Nesimha, Hagim Uzmanim Nesason. Baruch Hachem. Ah là 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 là. En Nissan, il y a un potentiel de Herout. Comme on dit dans Tfilah, Zman Herutenu. Le temps. Ah, le temps de notre liberté. Ah, quelle belle liberté. Zman Herutenu. Je vous vois, je vous imagine chacun. Oh Hachem. Oh Hachem. Comme on dit dans Tfilah, Aïe, merci Hachem, Baruch Ata Hachem, etc. Elokimera, Asher Gealanu, tu nous as libérés. Végal et Avotenu, et tu as libéré nos ancêtres. Comme on dit, Al-Geoula, etc. Et on termine en disant Al-Geoula, Al-Pedut Nafshenu. On te remercie sur notre Geoula et Al-Pedut Nafshenu, le rachat de notre âme. Ah, c'est-à-dire Geoula à deux niveaux. Une Geoula physique. Voilà. Physiquement, on a été libérés. On était des esclaves. On était soumis. On était asservis. Physiquement, tu nous as libérés. Mais oserais-je le dire? Mais plus important encore, Alpedut Nafshenu. Ah, tu as libéré notre Neshama, notre Nevesh. Ah. D'ailleurs, j'ai oublié avant de commencer, je voulais passer un grand, grand, grand bonjour à tous mes amis d'Aix-en-Provence, évidemment. Vive Aix-en-Provence. J'ai appris qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui écoutent mes shiurim. Évidemment, un petit clin d'œil spécial à Laura de Herzliya. Et j'ai appris qu'elle ne rate pas aucun cours, aucun de mes cours. Ça me fait très, très plaisir. Et comme d'habitude, à tout le monde, à tout le monde, surtout là pour le Hag de Pessah. Alors là, vraiment, un grand bonjour à tout le monde. Et à ma famille, évidemment, mes frères et sœurs, mes cousins, tous, tous, tous. Kol Israël, Arevim Zelazé. Voilà, ça, je vous ai dit, à Nissan, à Pessah, un potentiel fabuleux. Oh. Et justement, quelqu'un qui est complètement hitsoni, quelqu'un qui est, qu'on appelle ça, quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui ne voit que la face, face extérieure, quelqu'un de, comment on dit ça, un petit peu artificiel. J'oublie comment on dit. Alors, ne voit que disons, le regard du journaliste. Oh, j'ai rien, bon, d'accord. Regardez. Voilà, libération physique. Voilà, ils étaient prisonniers, ils ont été libérés. Mais quelqu'un de pnimi, quelqu'un d'intérieur, voit et sait que dans chaque événement, il y a toujours un sens caché derrière ça. Chaque chose qui arrive, vous savez, chaque chose qui arrive, il y a un sens caché. N'importe quoi, même si tu as un championnat du monde de football, et là, un tel a gagné, l'un autre a perdu. Alors, il y a évidemment l'analyse des analyses des journalistes sportifs, etc. Ceci était mieux préparé, était mieux entraîné, l'entraîneur et non. Mais il faut savoir que derrière telle victoire ou telle défaite, il y a un sens spirituel derrière ça.
il y a une raison spirituelle qui s'inscrit dans la marge de l'histoire. Akadosh Baruch Hu veut, pour telle ou telle raison, mettre en avant telle ou telle nation, ou mettre en retrait telle ou telle nation. Il y a des gens qui, dans chaque événement, cherchent qu'est-ce qui se cache dans la partie spirituelle derrière cet événement. Partie spirituelle, ça veut dire dans l'art de l'histoire, dans la marge de l'histoire. Surtout nous qui savons que l'histoire, elle mène vers le Mashiach. Il n'y a aucun événement anodin, aussi anodin soit-il, qui ne fait pas avancer le monde vers le Mashiach. Alors peut-être ça le fait avancer, droit, peut-être ça fait avancer tordu, en fonction du mérite des Béné Israël. Si les mérites des Béné Israël sont bien, alors ça avance droit, ça avance bien. Si Haz v'Shalom, les Béné Israël sont pas méritants, alors peut-être il va y avoir un détour, reculer pour avancer différemment. Ah là là là. Donc Mitzrayim, on a été sauvés de Mitzrayim, al geulatenu ve'al pedut nafshenu. Ah. Et bichlal, tout le Chodesh Nissan, c'est extraordinaire. Vous vous souvenez, dans Parashat Bo, il y a marqué, Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, Beret Mitzrayim le mort, Ahodesh azeh lachem, Rosh Chodashim. Ce mois pour vous, c'est la tête des mois. Rishon hu lachem. C'est le premier pour vous, les Chodesh Hashana, parmi tous les mois de l'année. Donc vous, les Juifs, vous êtes sous le signe du Chodesh. Vous savez que les nations ne sont pas sous le signe du mois, sont sous le signe de l'année, Shana. Le calendrier universel, c'est le calendrier solaire. D'accord? Le cycle solaire. Nous, les Juifs, c'est un calendrier lunaire. Tous les mois, ça va d'après la Lune, tous les mois, c'est un nouveau. Il y a un nouveau mois. La notion de mois chez les nations, je ne sais pas comment ils ont découpé ça. Béhémet, je ne sais pas. Vu que chez les nations, le calendrier, c'est un calendrier solaire, comment se fait ce découpage des mois? Par rapport à quoi? Je ne sais pas. Il faudrait que quelqu'un, un scientifique, n'explique ça. Est-ce que c'est simplement quelque chose qui a été accepté, comme ça? Ou est-ce que ça correspond à quelque chose de vrai? Je ne sais pas. En tout cas, chez nous, le mois, oui, bien sûr. On a la Lune qui apparaît tous les mois. Il y a le molad de la Lune. La Lune grandit, le premier quartier, le deuxième quartier, il y a la pleine Lune, et hop, la Lune disparaît. Quelque temps, une petite semaine, on revoit, et puis de nouveau, on revoit la Lune. Ça correspond à quelque chose. Et la Lune, alors on appelle ça le Chodesh. Chodesh, ça vient, vous remarquez dans la Torah, c'est marqué, ah, Chodesh Azé, ah, Chodesh, c'est marqué sans vav. Si quelqu'un, il n'y a pas les points dans la Torah, il peut se tromper, il peut dire, ah, Hadash Azé. Hadash. Chodesh, c'est la chose Hadash, c'est nouveau. Il y a un renouvellement. C'est extraordinaire. Les Hoche Hashana. Nous, les Juifs, nous sommes sous le signe du Chodesh. Les nations sont sous le signe de Shana. Shana, c'est l'année. Ça veut dire aussi Shana, c'est ce qui se répète. Shana, c'est aussi ce qui dort. Ça dort. Shana, c'est aussi... qu'est-ce que ça peut être? Shana. Shana, ça se répète, ça dort, c'est vieux. Il n'y a rien à attendre de nouveau. Les nations sont... Le monde entier, c'est sous le signe de la nature. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il a créé le monde. Avec les lois de la nature. Et ben voilà, qu'est-ce que tu veux d'attendre d'autre? Tu plantes un grain de pois, et bien il y aura un arbre, il y aura des pois. Ne t'attends pas à ce que ça donne des pommes. C'est pas possible ça. Il y a des lois de la nature. Et le monde entier est soumis aux lois de la nature. Et nous aussi. Bien sûr, les Juifs aussi. Mais nous, le peuple juif peut s'attendre à quelque chose.
en plus du shana, de ce qui se répète, de ce qui est endormi, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est normal, c'est endormi, il n'y a pas de changement, eh bien, le peuple juif peut s'attendre à quelque chose de hadash, quelque chose de nouveau. Il pourra exister dans certaines situations où le pommier donnera des bois. On voit bien chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans la caverne pendant 13 ans. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils ont mangé dans la caverne pendant 13 ans? Ils ont mangé du karoub. Et encore, le karoub, quand ils sont entrés dans la caverne, le karoubier n'y était pas. Vous savez combien de temps le karoub met pour donner le fruit? Le karoubier pour donner le fruit? 70 ans. C'est-à-dire, quand tu plantes un karoubier, il faut attendre 70 ans pour qu'il donne des fruits. D'ailleurs, les gens qui plantent un karoubier, est-ce que vous pensez que c'est dans l'espoir de manger les fruits? À quel âge il va planter son karoubier? À 10 ans, 15 ans, 20 ans? Quoi, il est sûr de vivre jusqu'à 80 ans, 90 ans? Mais pourquoi tu plantes un karoubier? Il va falloir 70 ans, attendre 70 ans. C'est quoi la réponse? Bien sûr. Personne n'a jamais planté un karoubier pour manger les fruits. Il plante un karoubier pour que ses enfants ou ses petits-enfants mangent les fruits. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que lui, quand il est arrivé au monde, il a trouvé un karoubier avec des fruits. Et on lui a appris que ce karoubier a été planté par son père ou son grand-père. Et donc, puisque son père ou son grand-père a planté à l'époque un karoubier pour que lui en mange les fruits, il lui appartient de continuer la chaîne et de ne pas couper ça. C'est une histoire connue, vous savez, cette histoire avec Honia Magel. Il a vu un homme planter un karoubier. Et il lui a dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Je plante un karoubier. Et donc, combien de temps ça va donner des fruits? Dans 70 ans. Il dit, mais tu crois être vivant dans 70 ans? Il dit, mais je le plante pas pour moi. Je le plante pour mon fils ou mon petit-fils. Parce que moi-même, quand je suis arrivé au monde, j'ai trouvé un karoubier avec des fruits. Et j'ai appris que c'est mon grand-père qui l'a planté. Donc moi aussi, je plante. Alors, là-dessus, Honia Magel a été saisi d'une grande torpeur. Et il s'est endormi. Vous savez combien de temps a dormi Honia Magel? Il a dormi 70 ans. C'est toute une histoire, un jour il faudra en parler. Et il se réveille au bout de 70 ans, et il voit le bonhomme en train de... Il dit, ah, t'es encore là, en train de planter ton karoubier, toi? Il dit, pardon, monsieur, à qui ai-je l'honneur? Eh bien, c'est pas avec toi que j'ai parlé? Ah non? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je plante un karoubier. Pourquoi? Parce que mon grand-père a planté un karoubier pour moi? Ah! En fait, tu es le petit-fils. Tu es le petit-fils de celui avec qui j'ai parlé. Mais alors, j'ai dormi combien de temps? J'ai dormi combien de temps? Il a fait son calcul. Il a vu qu'il a dormi 70 ans. Bon, il y a toute la suite de l'histoire. Vous savez, il est rentré chez lui. Et il a dit, c'est moi, Honia Magel. On n'a pas voulu le croire et tout. Bon, toute une histoire. En tout cas, Rabbi Shimon Bar Yochai arrive dans la caverne. Il n'y avait pas de karoubier. Premier nes, un karoubier qui pousse dans la caverne. Deuxième nes, le karoubier donne des fruits tout de suite. Troisième nes, ça c'était toute la semaine. Mais Shabbat, il faut changer le menu. Le vendredi, le karoubier ne donnait plus du karoub, mais il donnait quoi? Des dates, ah, des bonnes dates. Il cueillait ses dates et le Shabbat... Lui et son fils se régalaient avec des bonnes dates. Vous rendez compte, hein? Bien sûr! Parce que vous, les Juifs, vous êtes sous le signe du Hordesh, du Hadash, du Hidouche. C'est-à-dire, il y a les lois du Teva et les lois, les Malamina Teva. Au-dessus de la nature. Au-dessus de la nature. C'est un petit peu l'idée du miracle. Le miracle, au-dessus de la nature. Tu arrives devant la mer. Eh bien, la mer, où tu plonges, où tu te noies, où tu sais nager ou quoi, mais il n'y a pas de raison que la mer s'ouvre. Eh bien, si! Pour vous, les Juifs, la mer s'ouvrira. Si tel est le besoin.
Et n'allez pas croire que le miracle de l'ouverture de la mer Rouge s'est arrivé une fois dans l'histoire. Quand les Juifs sont plus tard, 40 ans après, sont rentrés en Eretz Israël, ils sont arrivés devant le Jourdain de nouveau s'est ouvert devant eux. Et le monde entier l'a vu. Il y a eu une colonne d'eau, je ne sais pas de combien de centaines de mètres, les gens ont vu, mais c'est quoi cette colonne d'eau? Tout le monde a su que le Jourdain s'ouvrait. Et ça, c'est encore au niveau du peuple juif, mais à l'échelle individuelle, c'est arrivé. Rabbi Pinhas ben Yaïr devait aussi une fois traverser un fleuve, je ne sais pas si c'est Jourdain ou l'autre fleuve. Alors il a dit à Hachem, comment tu veux que je traverse? Le fleuve s'est ouvert. Le fleuve s'est ouvert. Et le fleuve s'est refermé. Mais il y avait un Ishmaéli qui voyageait avec Rabbi Pinhas ben Yaïr. Alors Ishmaël a dit, à quoi? C'est pas du jeu ça. Pour toi ça s'ouvre, pour moi ça s'ouvre pas. Alors Rabbi Pinhas ben Yaïr a dit, Hachem, je t'en prie, tu as ouvert pour moi, ouvre pour lui aussi. Ça s'est ouvert une deuxième fois. Mais, et c'est comme ça dans toute la tradition. Les gens ne savent pas. Mais si on connaît notre histoire, mais ça s'est renouvelé plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est ça qu'on appelle le Hodesh, le Hadash. C'est le signe du Hadash. Donc le Hadash, c'est une chose extraordinaire, c'est un message fabuleux. Fabuleux, c'est-à-dire tu échappes aux pronostics, tu échappes aux statistiques, tu échappes à dire ben, ce qui a été le sera. Eh ben non. Eh ben non. Le signe de Shana, ce qui a été, le sera. Le Hodesh, ce qui a été jusqu'à présent, n'est pas obligatoire que ça le soit à partir de maintenant. Imagine quelqu'un dit, je suis dans une situation inextricable, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Oh là 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 là, je suis bloqué de tous les côtés, il n'y a aucun moyen d'en sortir. La réponse, attends, attends. Rosh Chodesh arrive, il amène avec lui son lot de Hadash, la situation peut changer du tout. Tu dois y croire, tu dois prier, tu dois attendre. La situation peut changer du tout. Le Chodesh amène avec lui son Hadash. Un diagnostic négatif jusqu'à présent, à Rosh Chodesh, la situation peut tout changer. Le médecin peut dire, non, on ne comprend pas, mais on ne sait pas où a disparu la tumeur. On ne sait pas ce qui s'est passé ça. Là, tu étais complètement bloqué à la banque, etc. Rodej arrive, ah ! Tout d'un coup, tu revois, reçois un arriéré des impôts ou quelqu'un qui te rembourse une dette. Ah ! Oh, mais c'est merveilleux, merci Hachem. Tu as fait une rencontre qui s'est soldée par un échec, etc. Tu pensais, hop, oh, Rodej arrive, la personne réapparaît. Toi, juif, tu es sous le signe du Rodej. Ne te bloque jamais par cet argument qui consiste à dire eh ben, ça a toujours été comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. La réponse du juif, ça a toujours été comme ça et il y a toutes les raisons pour que ça change. Et c'est quoi toutes les raisons pour que ça change? Le Hodesh. Alors ça que la Torah dit, « Ah Hodesh azeh lachem, Rosh Chodashim. » Oh là 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 là. Et ça c'est tous les Chodashim. Mais ce Hodesh-là, de quel Hodesh? On parle Nissan. Chaque Rosh Chodesh, il a son lot de Hadash de nouveau. Mais Rosh Chodesh Nissan, il est le sommet de tous les Chodashim. Un potentiel de changement. De Herut, c'est pour ça que ça s'appelle Zman Herutenu. De liberté. De sortir de tous les enfermements physiques, mentaux, spirituels. Tous les enfermements dans lesquels tu as pu t'enfermer ou on a pu t'enfermer, tu peux en sortir. Ah là là, Hodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Incroyable. Tu veux que je te dise? Maintenant, qu'est-ce que je dis? Que les Juifs, ils sont à la fois sous la Shana, sous l'année, mais ils sont aussi sous le Rosh Chodesh. C'est-à-dire, bien sûr, nous les Juifs, on n'est pas des, comment on appelle ça, des ceux qui habitent dans les planètes. On est sur Terre. Nous aussi, on est soumis aux lois de la nature. Mais on est aussi au-dessus de la nature. Mais c'est le partage, il est comment? 50-50, c'est comment? La Torah vient de te dire, tu veux que je te dise
à Chodesh Hazé, donc ce Hiddush là, la Chodesh, Rishon Hu Lachem, le Chodesh Hashana. En vrai, c'est le premier pour vous du Hiddush par rapport à l'année. Un grand secret, il faudrait peut-être même pas le dire sur Torah Box. Tout le monde nous entend. Mais il faut savoir que le peuple juif, bien sûr que le peuple juif est soumis aux lois naturelles. Mais le peuple juif est soumis aussi à des lois au-dessus du naturel. Mais plus que ça, le peuple juif vit plus sur le Mala Minateva que sur le Teva. Plus, on n'a qu'à le voir de toute l'histoire du peuple juif, ceux qui lisent un peu l'histoire, qui ont un regard, c'est plus au-dessus du naturel. Dans le quotidien. Dans le quotidien, la vie d'un juif, elle est plus menée sur le surnaturel que sur le naturel. Mais il faut le mériter, évidemment. Il faut y croire. Il faut être avec Hachem. Il faut prier. Le pouvoir de la prière est extraordinaire. Un diagnostic médical change par une prière, par une tzedaka, par les etovim. Quelqu'un qui ne devait pas avoir d'enfants. Combien d'histoires de gens que le médecin dit n'a pas aucune chance d'avoir des enfants. On a eu des enfants. Un accouchement qui devait avoir lieu par césarienne ou quoi. En fin de compte, il n'a lieu pas. Voie naturelle. Un enfant qui n'était pas retourné. Rap, se retourne au dernier moment. Mais c'est notre lot au quotidien, toutes ces histoires. C'est quoi? C'est le hidouche. Le hidouche. Et ce hidouche, tu l'as pendant toute l'année. Tu l'as à chaque Rosh Chodesh. Et combien tu l'as à Nissan? C'est pour ça que Nissan s'appelle Zman Heroteno. Tu peux tout espérer. C'est Geoulat Mitzrayim. Tu es sorti de Mitzrayim. Et qu'est-ce que c'est Mitzrayim? Mitzrayim, c'est justement le contraire de ce qu'on a dit. Mitzrayim, c'est le mot Metzar. Metzar, ça veut dire contraction, oppression, angoisse. Metzar, Mitzrayim, c'est Metzar. Tu es contracté, tu es replié sur toi-même, Metzar. Mais je vais m'en sortir. Non, tu peux pas t'en sortir, tu peux pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que Mitzrayim, c'est aussi Metzarim, Gevul, la frontière. Tu es entouré de frontières. Tu es à la fois replié sur toi-même. C'est ta condition, c'est ton sort, tu dois le subir, tu dois l'accepter, tu dois l'assumer. Et ne te mets surtout pas dans la tête que tu as une chance d'en sortir. Retourne-toi, tu es entouré de barrières. Entouré de barrières. Ça qu'on a dit que jamais un esclave n'est sorti, ne s'est enfui de Mitzrayim. Parce qu'en Mitzrayim, on expliquait à chacun que c'est ta condition, c'est ton sort. Tu ne peux pas en sortir. Cherche pas à en sortir. Et ne croyez pas que c'était un vieux message de l'époque. À chaque génération, à chaque civilisation, ça s'est reproduit. Il y a toujours eu, quelque part dans le monde, un régime qui a développé cette notion. C'est ton sort, tu es contraint, tu es l'intérieur, tu es compressé et tu es entouré de barrières, tu ne peux pas t'en sortir, tu n'as aucune chance d'en sortir. Alors qu'est-ce que je fais? Tu sais ce que tu fais? Paro. Comment s'appelle le roi de Mitzrayim? Paro. Paro, tous les rois d'Égypte s'appellent Paro, Pharaon. C'est quoi ce langage Paro? Paro, c'est dénudé. Dénudé. Dénudé, tel qu'on voit que quand le peuple juif a fait le veau d'or, c'est marqué que Moshe Rabbeinu est descendu. Vaya Moshe d'Am qui paro, waouh! Il a vu le peuple complètement dénudé. Qu'est-ce qui arrive? Paro, c'est le roi d'Égypte. Son rôle en tant que roi, c'est de dire au peuple, peuple, tu es contraint de rester dans cette situation. N'aie aucun espoir d'en sortir. Alors tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Dénude-toi. Dénude-toi. Laisse-toi aller à la touma la plus grande. Aucun remords. Aucune gêne.
aucun espoir d'élévation. Tu en sortiras de toute façon pas. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu te retiens? Ça se fait pas. Pourquoi? Dans quel espoir? Tu es là, c'est ton rôle, c'est ton sort. Vas-y. Dénude-toi. Livre-toi. Ça, c'est des Misraïm, la plus grande touma qui soit. La plus grande touma qui soit. Imaginons un monde peut-être de clochards, je sais pas, un monde d'ivrognes, un monde complètement plongé dans le vice, et là. Et à un moment X, ils peuvent peut-être l'espérer s'en sortir, et puis à un moment, ils sont tous convaincus qu'ils vont pas s'en sortir. Alors quoi? Alors vas-y. Et c'est l'ouverture à la plus grande touma qui soit. Plus grande touma qui soit. Pas de remords, il n'y a plus de spiritualité. Pas de retenue, pas d'angoisse. Vous savez que le sar, ce que je vous dis, c'est Rav Dessler qui explique ça. Si vous avez l'occasion, vous prenez le Rav Dessler dans le texte. En hébreu, bon, il est un petit peu traduit en français, d'où? Dans Zman Hérouteno. Chose incroyable. Le sar de Mitzrayim, le prince de l'Égypte, c'est en même temps le sar du Geinam. C'est en même temps le prince du Geinam, de l'enfer. C'est quoi l'enfer? Les gens disent l'enfer, ah, ça brûle, ça fait chaud. Oui, c'est des... Tout ça, c'est des... la partie visible. Le Maharal de Prague dit une chose incroyable. L'enfer, c'est l'endroit du monde, je sais pas quoi, où il y a une absence totale de Ruhniut. Absence totale de spiritualité. Mon cher ami, tu as vécu une vie avec une absence totale de spiritualité. Ça veut dire à aucun moment tu t'es dit « Oh, ça se fait pas ». Non. Tu as toujours fait ce que tu as voulu, quand tu as voulu, de la manière dont tu as voulu. Tu as volé, tu as exploité, tu as menti, tu as trompé, tu as pris les femmes que tu voulais, mariées ou non mariées. Jamais tu as eu la moindre tenue. Et pire encore, tu n'as jamais eu le moindre regret, le moindre remords. Jamais ça t'est venu de dire « Ah mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détruit une famille. » J'ai séduit une femme qui n'était pas la mienne. Jamais tu as eu le moindre remords. Et tu es passé de l'une à l'autre. Et tu as volé les gens les plus proches, tu as volé ta propre famille. Il y avait une absence totale de spiritualité. Je ne sais pas si ça existe, des gens comme ça. J'espère pas. Un cas d'école, tout simplement. D'accord? Si ça devait exister, quel malheur. En tout cas, si quelqu'un a vécu une telle vie avec une absence totale de spiritualité, on l'emmène au Geinam. C'est quoi le Geinam? C'est le monde où il y a une absence totale de spiritualité. C'est ça le Geinam. Il arrive dans un endroit, il n'y a pas un brin de spiritualité. Il n'y a rien. Quelle horreur. Je ne sais pas, je ne veux pas faire de politique et tout, mais... J'ai l'impression qu'à l'époque, la Russie communiste, c'était comme ça, c'était un monde. Absence totale de spiritualité, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que les Juifs ont souffert à cette époque-là? Interdit d'étudier la Torah, interdit de prier, interdit de faire des circoncisions, rien du tout. Absence totale de spiritualité. Vide. Spiritualité, zéro. Et quel touma il y a là-bas? Quel touma, dès qu'il n'y a plus aucune spiritualité, mais c'est lâche-toi dans la touma, il n'y a plus aucune raison que tu te retiennes de rien. Vole ton propre ferrer. Nora Veyom. Et nous les Juifs, on était là-bas. Nous les Juifs, on était là-bas. Et petit à petit, on a essayé de résister au début, évidemment, mais petit à petit, on est tombé. Il paraît qu'il y a, de même que dans la Kedusha, il y a 50.
50 niveaux. Quand tu arrives au niveau 50, Ruach HaKodesh. Ça, les 50 jours jusqu'à Matan Torah. Ruach HaKodesh, ça y est, tu vois. Tu vois les papillons, tu vois tout, Ruach HaKodesh. Tu vois tout, tu vois à travers les murs. Tu vois l'intérieur de la personne, tu vois tout, ça y est. Tu vois, avec des Ruach HaKodesh. Tu es dans la lumière. Quelle merveille. Mais il existe exactement la même chose, le contraire, dans l'autre sens. La Touma. Et il tombe. Et si il arrive au 50e, bah, tombé dans le néant, et là tu peux plus le rattraper. Nos ancêtres étaient arrivés 49. Mais quand je dis 49, c'est pas 49. 49 un quart, 49 et demi, 49 trois quarts, 49 99. C'est pas des blagues. Ah, quand même dit, s'ils étaient restés une seconde de plus en Israël, c'était plongé, c'était fini. Et Akadosh Bourou est venu, il les a sortis de là-bas. Ouf! In extremis, il les a sortis. Oh, merci Hachem. Et pourtant, ils étaient déjà, l'esclavage physique, disons, était déjà terminé depuis le début des plaies. Ça faisait un an qu'ils étaient libres, physiquement déjà. Mais ils étaient encore complètement dans la Touma de Mitzrayim. Tu imagines qu'il y a eu 4/5 des Juifs qui n'ont pas voulu sortir. Seul 1/5 est sorti. Et encore, certains disent que ce n'est pas 1/5. Hamouchim, c'est 1/50. Un juif sur 50 a voulu sortir. 49 juifs sur 50 ont dit non, c'est fini, on reste. On reste. Vous savez, des fois, j'ai appris que des fois, en plein hiver, il y a des autocars sanitaires qui sortent, qui ramassent tous ceux qui dorment dans la rue. Ils les ramassent, ils les amènent dans des foyers, ils les lavent, ils leur donnent à manger, ils leur proposent de passer la nuit là-bas. Eh bien, j'ai entendu que dans la plupart des cas, au milieu de la nuit, ils sont sur un bon lit d'eau. Ils se sauvent, ils sortent de là-bas. Ils retournent dans la rue. Moi, j'ai même vu, j'étais dans un endroit, une prison, quelque part. Les prisonniers avaient la possibilité de sortir de l'endroit habituel pour être de côté dans un endroit plus agréable. Et il y avait des cours là-bas, etc. Et bien la plupart de ceux qui faisaient l'expérience d'aller dans le bel endroit, au bout de quelques jours, ils demandaient de rentrer, de retourner dans la prison là-bas. Avec les bagarres, avec les violences, avec tout ce que vous savez, ce qui se passe en prison. Nora Vehayom, 20% des Juifs qui sont sortis, d'après d'autres, c'est 1/50, 49, c'est fini. Ils ont été pris par Mitzrayim. Et ce que offre Mitzrayim, qu'est-ce qu'elle offre Mitzrayim? Elle offre Paro. Tu es là, c'est ta condition, tu es complètement dans la Touma, tu ne peux pas t'en sortir. Allez Paro, lâche-toi, fais ce que tu veux. T'as aucun remords, tout est permis. Aïe, 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 quelle horreur. Mais Hachem, ceux qui ont voulu sortir, Hachem les a sortis. Ah, c'est ça que nous remercions Hachem. Merci, Al-Gelo, Geoulaté-nous sur notre liberté, Val-Pédout, Nafjé-nous, le rachat de notre âme. Et Pessah s'appelle Zman Herouté-nous. C'est-à-dire que tout ça, c'est pas d'histoire. C'est pas une commémoration. Le Rav Dessler dit, il faut savoir que chaque fois, ça revient, ça. Cette situation revient à chaque fois. À chaque année, il y a le même potentiel extraordinaire de Herout. Je peux m'en sortir. Je veux mettre fin à cette situation.
J'y arriverai. Il n'est pas dit que c'est ma condition finale. Non, je peux m'en sortir. Hachem, aide-moi à m'en sortir. Je veux retrouver ma liberté. Ma liberté physique, ma liberté de mon nefesh, je veux retrouver mon nefesh. Ma liberté de culte, je sais pas, ma liberté. Vous rendez compte? C'est ça que nous disons. Ilou lo otsi akadosh baruchu mimitzrayim. Si akadosh baruchu n'avait pas fait sortir mes ancêtres d'Égypte, aré à nous, obanéno, meshu abade, mayeno le pharo, bemisraïm. Voici que nous et nos enfants, nous aurions encore été meshu abadim, abaro, amisraïm. Si akadosh baruchu ne nous avait pas fait sortir avec un petit coup de pouce, on aurait été convaincus que c'était notre sort de rester là-bas. Notre histoire, on ne peut pas en sortir, c'est notre condition. À Paro, en Mitzrayim. Vous vous rendez compte? Il te dit qu'il a tset mishir bouddha shel touma, chez Ibrinat Paro Mitzrayim, sortir d'un tel asservissement de touma, qui est à la fois le Paro et le Mitzrayim, comme on a dit. Tu es étroit, tu es confiné là-dedans, tu peux pas t'en sortir, la seule chose que tu peux faire, c'est par oh, c'est te dénuder. Sans sortir tout seul, c'était pas, lo aya efcha. C'était pas possible. Bli hasdo abilti balta chlicha. Si ce n'était le bienfait illimité d'Akadosh Baruch. Vous vous rendez compte quand c'est pour ça? Ah! Maintenant, il te dit, Geder, Kviatzman, Meyuchad, Minashamaim. Lorsque on a fixé un calendrier, c'est pas une commémoration, comme je vous ai dit. C'est pas une commémoration. D'accord? Tel que le pasouk dit, la Cholzman, chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Quand on dit Zman, Zmehoutenu, c'est que ce Zman, il est porteur de Herout. Ashpa, Meyuchedet, Shel Herout, Anitenet les chol nefesh b'Israël. Il y a comme ça, il y a un souffle spécial de liberté qui est donné à chaque âme juive. Bazmanahu. Ve'od, aval gam bepashtut navin, kesha'kasher magia yom shebo yatzanu herut nitna lanu hizdamnut. Et à chaque fois, nous est donné à nous une possibilité, letzayer ete belibutenu. Nous avons la possibilité de dessiner bien dans notre cœur. Et rien de ça nous les héroute. Même chez la Tatouma, il était là. Comment on a pu sortir de la Tatouma? Si quelqu'un fait un Batouma, un Batouma, il se dit, je réalise, mais comment j'ai pu sortir? J'étais dans le monde de la Tatouma la plus absolue. Je vivais au milieu de... Mais comment j'ai pu m'en sortir, monsieur Hachem? Comment j'ai pu m'en sortir? J'étais au milieu de voyous, au milieu de brigands, au milieu de drogués, au milieu de... Comment j'ai pu m'en sortir? Ve'arezim hazek otanu la'amod neged Yisraelou. Et celui qui s'en est pas encore sorti, mais qui a la force, regarde tes ancêtres, ils s'en sont sortis d'une situation beaucoup pire que toi. Pire que toi, toi t'es un enfant de cœur par rapport à eux, dans une situation pire. Ils étaient sous l'emprise du prince du Guéhinnam. Tu n'as pas la force de te lever contre ton Yisra'ara ou l'Ishtachar. Libère-toi. Mitahad olo de ce joug que ton Yisra'ara met sur toi. Messiata Ishmaïa. C'est quoi cette histoire? Tu ne peux pas renoncer à manger ta rêve? Sors de ça. Va cacher les yeux de ta vaisselle. Mange cachère. C'est quoi cette histoire? Jusqu'à quand tu vas mélanger la viande et le lait? Tu peux pas manger une fois viande, une fois lait? C'est quoi cette histoire? Mais on a toujours fait comme ça, c'est pas maintenant que je vais arrêter, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis c'est qui cette fille que tu fréquentes? Et c'est qui ce garçon que tu fréquentes? Et c'est quoi ces activités? C'est quoi ces relations? C'est quoi qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas t'en sortir? Ah, tu crois que t'es conditionné pour être comme ça toute ta vie?
Pourquoi pas? Tu peux pas fermer le magasin Shabbat? Ça y est! Je crains grand. Ah, tu crois que tu peux pas? Ça, c'est Mitzrayim. Mitzrayim faisait croire que tu fermes le magasin Shabbat, tu fais faillite. Tu arrêtes de manger comme ça, tu perds tous tes amis. Tu fais comme ça, tu perds ton travail. Mais ça, c'est Mitzrayim. Qu'on faisait croire à l'homme que c'est sa condition, c'est son sort, il ne peut pas en sortir. Eh ben non, là tu peux t'en sortir. Bon, pendant l'année, tu ne pouvais pas t'en sortir. T'as pas profité du bonus de chaque Rosh Chodesh où tu pouvais t'en sortir. Mais là, t'as le gros bonus. Nissan. Bien sûr que tu peux t'en sortir. Bien sûr que tu peux t'en sortir. C'est quoi ce travail? Ce travail où les relations sont malsaines. Chacun essaye de séduire l'autre. Et tous les jours, tu résistes. Quand t'es un rat, tu sais pas. Elle te séduit, lui te séduit, tu sais pas. Eh ben, quitte et c'est fini. Quitte et c'est fini. Jette-toi dans la mer. Sors-toi de ça. Nimsa ki azmanazé et notarir historique rita. C'est pas une histoire. Une date historique, simplement. La hokbo hagigat simcha java. Nous fêtons la fête de nos ancêtres, la fête, mais pas du tout. Ça laisse ça pour les villages, la fête au village. On n'est pas en train de fêter la fête de nos ancêtres. On est en train de revivre un processus que nos ancêtres, dont nos ancêtres ont pu bénéficier. Et qui depuis dans l'histoire, combien de générations on en profitait? Et moi aussi j'en profitais. Et là, j'ai mis des chana, des chana, inozman bom esugali manu lilhom, les ma'an chriotaf chez nous. Chaque année, c'est un zman propice pour lutter, pour gagner la liberté de ta neshama. Et je lui dis, oui, mais je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Ça fait 50 pessards de ma vie, je n'ai jamais passé. Eh ben, pourquoi pas? 50 pessards, tu n'as pas profité pour, tu n'as pas profité de ce bonus. T'as un bon. Chaque année, je m'en bats. Quelqu'un, il a un bon pour aller en vacances, il ne l'utilise pas. Ah ben ça, je n'ai jamais utilisé. Hein. C'est quoi? Oui, ben c'est un bon de location familiale pour aller en vacances. Oh, ben je n'ai jamais utilisé. Mais attends, pourquoi tu le jettes? Peut-être que cette année, je peux l'utiliser. Pourquoi pas? Lis bien. Ah oui, c'est vrai, tiens, mais si je vais à la montagne, ah ben oui, pourquoi pas, tiens. Une fois que tu as utilisé, tu vas dire, mais c'est bête. C'est bête, ça fait 50 ans, je n'ai jamais utilisé. Tu n'as jamais pris le temps de le lire. De faire l'effort, de répondre, d'appeler, de répondre au questionnaire. D'accord, tu ne l'as pas fait, mais fais-le maintenant. Et Béhémet, comment je peux y arriver? Si quelqu'un me dit, d'accord, allez, mon cher Eliyahu Zan, d'accord, je veux, mais comment je peux y arriver? La première réponse est l'Limud HaTorah. Mets-toi déjà à étudier la Torah. Ça va te donner rapidement des forces, des moyens, l'ambition, le courage, la joie de prendre ta décision. Elecha ben Rorin et la Mishiro sek ma Torah. Tu n'as de véritable homme libre que celui qui étudie la Torah. Shenema harut al aluchot. Les paroles étaient gravées sur les pierres. Ne dis pas gravées, ne dis pas harut, mais dis herut. Bémet, la force d'étude la Torah. Ça donne ce sentiment de je suis libre, je suis libre. Je peux prendre mon sort en main. Comment le Yetzer Hara est plus fort que moi? Je peux dire au Yetzer Hara, arrête! C'est fini! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Je veux m'en sortir. Oh! Tellement beau ça! Vekva yadoua, je vais de l'chot, geder libam, shel Israël. Les l'chot, c'est le cœur du juif. À quel bruit il a gravé les paroles des Torah dans le cœur de chaque juif. Qui te va mal loir libérer, marqué, écris-les sur le tableau de ton cœur. Aïe, 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 aïe. Ça y est maintenant, change tes ambitions, change tes sheifot. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux travailler plus pour gagner plus d'argent, pour avoir encore plus de pouvoir et encore t'acheter de choses et t'enfoncer dans ce monde matériel. Et, ah! Mais quand on réfléchit, mais c'est tellement. Mais c'est fou, mais c'est dégoûtant presque. C'est quoi cette histoire?
pour encore et encore avoir et encore accumuler et encore augmenter ça et encore et là-bas et en avant et faire devant les autres et encore apparence et tout ça. Ou basé là, c'est Ben Horin, libère-toi de tout ça. Mikol Shifo de Gishmiot, j'ai un avodot déjà. Allô? On mange ce soir au restaurant et tout? Non, je suis désolé. Ça ne sera plus possible parce que j'ai décidé, nous avons décidé de manger cachère. À partir du moment où nous mangeons cachère. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes fous? Vous avez pété un plomb et tout? Non. Nous avons retrouvé notre liberté. Donc, le prochain restaurant, ça sera moi qui vous inviterai avec grand plaisir et je choisirai l'adresse. Vous ne voulez pas? Oh, c'est vraiment fâcheux. Ben, ça fait beaucoup de peine. Voilà, mais pour nous, c'est fini. Ça ne pourra plus jamais être comme avant. Nous sommes de nouveau des gens libres. Libres! Ah là là, que c'est beau ça. Ba'azena zebel horin, mikol sheifot hageshmiut. Et toutes ces recherches de matérialité. Un monde qui recherche à s'enfoncer dans la matérialité, matérialité, matérialité. Rentre un peu de spirituel dans ta matérialité. Aïe, 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 avdot yetzer. Voilà, mes chers amis. Bezat Hashem te dit, iné, en adam nikra ben horin, achiti batel mimenu, avdot le gamre. Et tu ne peux pas être à moitié libre. La liberté, c'est quand je suis entièrement libre. Tout le temps où tu es encore un peu esclave, tu es encore. T'es encore esclave, t'es pas libre. Blikol shiur, la liberté, c'est entièrement libéré. Veyesh lanou remez anem isur hametz. C'est pour ça qu'il te dit hametz. Non. Pas le moindre grain de hametz. Tu as un grain de hametz qui est tombé dans la grande marmite. Tout est hametz. Tout est à poubelle maintenant. Un grain dans 1000 litres de soupe. Tout est ramène, tchou! Mais c'est fou! Pendant l'année, oui, un grain de lait, une goutte de lait qui va tomber dans une soupe de viande, il suffit qu'il y ait 60 fois plus de ça, c'est battel. Le ramène, même un million! Parce que la liberté, ça s'achète, ça se bat, mais il faut y arriver totalement. J'irai jusqu'au bout de ma démarche. Si j'entame une démarche de liberté, mais que je reste à moitié esclave, d'accord, bon, mais le dimanche, on continuera quand même, à prendre le goûter pas trop cachère et tout. Ah ben non, t'es esclave. T'es esclave. Yeshtanou remez evisou hamesh ou bihilat et serara, veisou machéou, mi'iten. Qui pourra faire en sorte, veisakenou hachem, chenetsele herout amitit? Aïe, que Hachem fasse que chacun de nous retrouve sa liberté totale, absolue. Bekoar Torato Agdosha, par la force de la Torah Kedosha d'Hachem Yitbarach. Voilà, mes chers amis, cette année, il faut que tous les juifs du monde sortent en liberté. On retrouve tous notre liberté, Be'ezrat Hachem. Voilà. Chag Sameach, Chag Sameach, Chag Sameach, Chag Sameach, Chag Sameach, Chag Sameach, Ve'samarta ve'chagecha, ve'ha'ita ach Sameach, Ve'samarta ve'chagecha, ve'ha'ita ach Sameach. J'ai une petite envie de matza qui me monte à la gorge là. Be'ezrat Hashem, quelle est bonne la matzah. Voilà, Be'ezrat Hashem, Chag Sameach, mes amis, qu'on se retrouve tous, mes binan de Tamikdash, Be'ezrat Hashem. Ah, à très bientôt, Be'ezrat Hashem. Kol tov.